Hop, on démarre l'épisode 6. Salut YouTube. On a dépassé Nisavellia. Et là, on s'est retrouvé dans des mines. Toujours à la recherche de tir. On va voir ce que ça donne. On avait déjà commencé cette zone, juste le début. Dans l'épisode précédent. Là, je pense qu'on va descendre un peu plus profond. On avait récupéré. On s'était arrêté là, je crois. Voilà. Attention, lève les yeux. Ah oui, effectivement. Il est temps que j'améliore quand même un petit peu les lames. Il est temps que je les améliore un petit peu quand même. Oh, il y avait un petit truc à péter. Ouais, la vie. Rien d'intéressant. Et rien non plus. On va ouvrir le coffre là-bas. Même si je pense que c'est que de l'argent. Ouais. Cet endroit est incroyable. Ouais, je pense qu'il va y avoir une petite énigme en prévision là. Une toute petite. Ça. À mon avis, il me manque un truc là. Ah oui, c'est un portail. Tant pour moi. La pierre a aiguisé de la faucheuse nocturne. Face à l'occupation, les méthodes les plus directes sont souvent les meilleures. Refusé, devenu inutile. Assez parlé de toi. Concentre-nous sur la pierre. Il est où le corbac là? Ah, il est là. Oh! Ouais, il va être facile celui-là. Il va être facile. Peut-être pas si facile que ça. Ah si, ça va. Bon bah on sait qu'il y a un portail ici quoi. Ah mais c'est un poisson, j'ai cru que c'était un bout de bateau. On va aller à la pêche. Ben ouais, mais
mais ça me dit pas où est-ce que je peux aller. Ah. Ok, j'ai rien dit. À mon avis. Attention, je crois qu'il y a un passage. Si on arrive à traverser ce minerai. L'endroit. Viens là toi. Attire-moi ça. J'arrive pas à l'avoir celui-là. À mon avis. Ah, ok. Je n'ai rien dit. Je pensais qu'on allait avoir des flèches d'un autre pouvoir avec Atreus. Alors, petit, tu t'es laissé un peu aller tout à l'heure. Ce n'était qu'un mot. Brock a déjà fait bien pire. Le mot importe peu. Tu as perdu le contrôle. Mais on tombait. Et de haut. On allait mourir. Veux-tu que ce mot soit ta dernière parole? Non. Face au danger, la panique ne sert à rien. Contrôle-la et utilise-la. Il est toujours aussi sévère, hein, comme père. Face avec ça. Ah, j'ai pas vu. Hey, crack. Regardez par terre, les rails. Ils doivent mener à l'intérieur de la mine. On doit contourner cette caisse. Ouais. L'eau semble alimenter la grue qui maintient cette caisse en hauteur. Ouais. Mon frère, tu pourrais geler l'eau pour arrêter l'écoulement? Ben ouais, mais bon. Je peux geler l'eau. Faut l'arrêter à la source, non? Je peux pas le faire d'ici. Geler le canal de bois avec la hache Léviathan pour bloquer l'eau. Genre sur le bois, je peux le faire? Comme ça? Hey, je crois que tu as arrêté l'écoulement de l'eau dans cette onge. C'est bon! Plus qu'à traverser. D'accord. Coffre d'énormes. Oui, mais je ne vois ni seau à détruire, ni cloche à sonner. Celui-ci est différent. Ce coffre est verrouillé. Tu peux peut-être l'allumer. Il doit y en avoir deux autres dans les parages. Cherchons-les, d'accord? Ouais. Ouais, super. Ah, ça, ça m'intéresse un peu plus, ça. Du cuir brut. Ok, je prends.
Oh, un petit... petit rune. Le choix du terme coopératif doit être ironique, non? Nouvelle rune déchiffrée, la mine. Coopérative minière Asgard Svartalfheim. Je suis pas à l'origine de cette formulation équivoque, il faut tout de même avouer que la pureté et la flemme du langage utilisé pour dépeindre des décennies de massacres et d'oppression systématique force le respect. Bon, j'ai fait les trois. Normalement, ça devrait être bon. Ah non, il en reste encore un. Comment ça se fait qu'il en reste encore un? J'ai pas fait le bon, peut-être. Je n'ai pas fait le bon. J'ai pas dû faire la bonne lettre. Je me suis fait couiller. Il manque le C. Après, je peux pas aller trop loin avec mes lamas. Donc il faut qu'il soit dans un endroit accessible. Je devrais pouvoir monter si tu m'aides. Il est où? Je devrais pouvoir monter si tu m'aides. Je sais pas où t'es parti, boy. Ah, je crois qu'on est parti un peu loin là, du coffre. On peut pas l'éteindre. Donc y a pas de système de... de truc à tourner ou quelque chose comme ça. Bon, on va chercher. On va se creuser les ménages un peu. Ah, je crois savoir. Ah. Je crois que j'ai débloqué le truc. Salut Kevin. Comment ça va? Yes, c'est débloqué. Donc il faut gérer le... outil de pomme. Ça c'est cool. Vous avez collecté une pomme sur deux. Requise pour augmenter votre santé. Nice. Nice. Comment ça va Coco? Je sais pas si c'est exponentiel ou si ça augmente de 1 à chaque fois. Le niveau de l'eau a dû baisser lorsque les nains ont creusé la mine. Je me demande à quoi ça ressemblait avant l'excavation. Nickel. En week-end. Bon, je sais pas ce que c'est ça. Certainement un raccourci ou... peut-être. Ah, c'était ça qui parlait. Je vais aller regarder de l'autre côté. Vas-y, tue le corbeau là en même temps. Père, il y a une porte là-haut qui s'ouvre en direction de l'entrée de la mine. Si tu arrives à monter, j'aurai besoin de ton aide pour la soulever. Si. Si. Ouais.
Alors, comment on fait? Je pense que ça va jouer avec les engrenages. Tu y étais presque. Recommence. Je pense que ça va jouer avec les engrenages, ouais. Mais comment? Oh, un petit effort. Tu peux faire ce saut. Tes genoux sont pas si vieux. Atreus. Oh, le manque de respect. Le respect est mort. J'espère que tu pourras faire ce saut-là. Le respect est mort. Ouais, ouais, belle petite zone, ça. C'est vraiment une belle petite zone. C'est encore une de ces auges en bois. Je me demande où les nains vont chercher tout ça. Ah, c'est certainement dû à leur grand sens pratique. Pourquoi faire l'effort quand on peut laisser faire la nature? Non, c'est pas faux. Ah, ça tourne dans le sens inverse. D'accord. Ouais. M'en faut. Ça marche, hein. Ça marche. J'espère que Tyr est ici. Atreus, on cherche des informations. Je sais. Arrête de croire que je veux déclencher une... Pourtant, tu ne dis pas le contraire. Mes frères, peut-être devrait-on laisser cela de côté. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah, on peut monter dessus. Ok. Non. Oh bah maintenant. Je te raconte de beau, Coco. Ok. Par là peut-être. Soulève de ton côté. Ah. Je le ferai du mien. On soulève à trois. C'est plus lourd. Qu'est-ce que je pensais? Merci. Continuons. Continuons. Je pense qu'il doit y avoir un truc aussi avec les MSKO là. Je crois que c'est l'entrée de la mine de Durlin. Oh, j'entends des bruits bizarres. J'entends des bruits bizarres.
Qu'est-ce que tu fais là, toi? J'ai autre chose pour vous. Sindri! De quoi parles-tu? Puisqu'il vous manque une source de lumière, désolé, et que vous ne voyez pas quelle abomination rôde dans les ténèbres, ceci devrait vous aider. Reprenez votre exploration. Du balai. Merci, Sindri. Attends, que veux-tu dire par abomination? Ils sont forts, ces nains. Attention! Un mort n'est perché là-haut! Fais-le tomber! Derrière toi! Prends garde! Tiens-toi! Et crac! Coupez la tête! Encore? Ah, je t'avais pas vu toi! Rembronze terminé. Rembronze. Ah, sur ça. L'appel d'Hyperion. Oh là là. Tu connais cette licence-là, Coco, ou pas? Modificateur de compétences débloqué. Les marques des modifications amplifient un aspect d'une compétence. Sélectionnez une compétence avec un emplacement de marque libre et appuyez sur 3 pour afficher. Débloquez les marques de modification d'une compétence avec de l'XP, vous pouvez changer à volonté les marques. Augmente légèrement les dégâts de la compétence. Augmente nettement la résistance aux dégâts et aux coups déstabilisants pendant la durée de la compétence. Augmente nettement la charge d'immolation conférée par la compétence. En vrai, ça peut être sympa, ça. Ou alors des dégâts. Je prends les dégâts. Je peux équiper comme je veux. Ça, c'est cool. Immolation, dégâts. Je pense qu'on va... Après il fait pas très très mal hein, en soi. Ok. Déferlement incandescent. À utiliser le combat pendant le combat pour augmenter le niveau. Après avoir emballé un ennemi, l'appel d'Hyperion est un R1 pour vous propulser vers un ennemi au sol et infliger un étourdissement. Balayage ardent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Inflige des dégâts supplémentaires contre les ennemis gelés. Ouais, je suis pas sûr que ça nous serve ça, mais bon. Lorsqu'un sprint. Ça, je l'ai déjà. Ça, je l'ai déjà aussi. Un sprint avec R2. On va prendre ça. Prendre ça. Balayage de lame vers le haut. Ah, Atreus, il a un poids aussi. Acheter, acheter. Et ça, c'est quoi? Atreus saisit les ennemis plus longtemps, renforce les puissances des frappes. Contre Kratos quand il est saisi. Ça, oui. Bah, j'ai pu. Et plus d'XP. Ça me va.
reste de bait. Ouais, mis à part de l'argent, je récupère rien de transcendant. Hein. Alors si je le mets de l'autre côté, tac tac, il ira là, ça changera ça. Ah, peut-être que ça tournera vers la droite. On va tester. Oh, maintenant, ça tourne vers la gauche. Cette énorme grue se dirige vers nous. Je pense qu'il faudra l'arrêter à un moment donné. Ah bah non. Ça s'arrête automatiquement. Que tu veux que je fasse? Compris. Avec ça. Ah, tu veux peut-être que je me promène va essayer ça, tu vois. On va se promener sur la brique. Hein. On se retrouve de l'autre côté. Mimir, quelle est la probabilité que Tyr soit emprisonné dans cette mine? Même s'il avait été aussi beurré que cette grue est huilée, je ne vois pas d'Hurlin nous donner une fausse piste. Trouves-tu le garçon trop confiant? Il a hâte de faire ses preuves. Cela obscurcit son jugement. Ah, tu crois en lui plus que tu ne veux l'admettre, mon frère. J'avoue que j'aime beaucoup le truc avec les doubles lames de Kaori. Ouh, un petit coffre. Hein? Un encore poème. Une œuvre lyrique issue de l'esprit de Kvasir. Poème de Kvasir. Femme. Pommeau de l'étincelle éternelle. Des pommeaux forgés dans des flammes rageuses dont elle dégage encore la chaleur. Intéressant. Intéressant. En fait, c'était un cul-de-sac, hein. Je comprends bien. Il y a quelque chose? On continue. On continue. Ah, coucou Pilo. Comment ça va? Bon bah. Continuons. On va rentrer carrément dans la mine, je pense, là. Ça va être un autre délire. Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois qu'on y est. C'est cette mine.
Qu'est-ce que c'est? Que ces entourloupas? Cela dit, nous ne pourrons rien en tirer avec notre équipement actuel. Ah. Va falloir attendre un peu. Ouais, ça va nickel, plus loin. Ça va nickel. T'as bien avancé dans le jeu? Enfin, je sais pas si tu as rejoué. J'ai vu que tu streamais du Souls tout à l'heure. Attention! Encore! Bon, on dirait que l'entrée officielle de la mine est bloquée. Il doit y avoir un autre moyen. L'entrée officielle? Essayons d'entrer par cette grotte. Oh, c'est quoi ça? Du cuir brut, ok. T'as fini la mine? On est à peu près presque au même niveau. À quelques heures près. Par ici. Par ici, ah, bon ouais. Au moins ce n'est pas une impasse. Allez, voyons où c'est nous-mêmes. Ah, encore eux. Rang bronze. Salut toi. Hey, salut toi. Salut Rapso. D'où est-ce qu'ils sortent? Mais j'ai fait la quête de Mimir avec les tours sur le lac. Ah d'accord. T'as fait les... comment ça s'appelle? Les tours de... De fumage. Comment ça s'appelle? Les tours de motifs Zinir. Target locked. Comment ça va Rapso? On va peut-être les faire tout à l'heure quand on reviendra. Moi ça va nickel. Moi ça va nickel. L'odeur confirme que nous entrons bien dans une mine. Dans une mine. Je crois que j'entends l'eau s'écouler. Ralentis Atreus. Sois prudent. Tiens-toi prêt. Ah. Oh, c'est quoi ça? Je crois que j'ai trouvé d'où venaient ces calamités. Ils vont te déborder. Ne t'éloigne pas. Ça ne s'arrête jamais. J'aime pas trop beaucoup ça. Elle nous envoie ces calamités sans aucune retenue. Il nous suffit de l'éliminer. T'es dégueulasse toi. Ah, je peux pas le saisir. Il est trop gros, je crois, pour le saisir. Mais c'est elle qui envoie des calamités comme ça? Mais t'es des gros races, toi aussi. Un peu de mal avec la rage hein. 4 à chaque fois. Oh, j'en terminé. Elle est morte. Occupons-nous du reste de ces choses. Je crois que c'est terminé. Ça c'est fait. L'odeur de ces choses est vraiment répugnante.
un maigre prix dégueulasse pour le dérangement. Ne restons pas là. Ne restons pas là. Oh, coucou Nani. Comment ça va ma petite Nani? Cette espèce de bar. Tu as retrouvé le dans la mine. L'adresse du stream. Je vais en finir. Comment tu vas? Il est où le maquillage? Bah, il fallait venir lors du lancement. J'étais maquillé. Je crois pas qu'on puisse y entrer d'une autre façon. Ah. T'arrives à voir que c'est une femelle? Pas du tout. Pas du tout. Peut-être parce qu'elle pondait des trucs. J'en sais rien. Elle a 4 doigts. Alors que les mâles en ont 5. Facile avec son string rose. Ah oui, d'accord, ok. Les mâles ont 5 doigts? Ah. Intéressant, intéressant. Comment ça va, Nani? Plaisir de te voir. Bon, on va pas faire un petit tour en bateau tout de suite. On va faire un petit tour d'horizon. J'ai pas retrouvé le stream. Il est toujours là seulement. J'allais plus sur Twitch. Ah. J'espère que c'était pas... pour des mauvaises raisons. Bon, en fait, je crois qu'on a vite fait le tour. Voilà. On a fait le tour. La thune. Bah si franchement on est en manque de thunes dans God of War, je comprends pas. Oh, un petit portail. J'arrive pas à voir ce qu'il y a de l'autre côté là-bas. J'arrive pas à voir. Ce sera peut-être un raccourci. Ça va, on va dire, et toi? Bah moi ça va. Je viens de finir ma dernière de nuit. Je me suis réveillé à 13h. 13h du matin. Tu vois. Donc pour l'instant j'ai pas trop la fatigue. J'ai ouvert toutes les fenêtres en grand. Oh, j'avais pas vu ça, tiens. Histoire de rester réveillé avec le froid. Y'a personne à la maison, donc j'ai tout ouvert les fenêtres. Par 10 degrés, tout va bien. On est un warrior ou on n'est pas un warrior? Un deuxième. En vrai, avec le PC plus la PS5, je pense pas qu'on puisse aller en dessous de 15 dans la game room. T'inquiète, c'est bientôt l'apéro, pas d'air. Ouais, bien, m'en parle pas. Le week-end va être chargé. Le week-end, il va un petit peu piquer, tu vois ce que je veux dire. Oh, toujours un plaisir de retrouver les anciens. T'aurais peut-être moins en jouant hard. Ah, c'est pas faux. Je sais pas si c'est lié, ça. Le fait d'avoir plus d'argent en ultra difficile. T'as peut-être raison. Bon, bah allez, on va faire un petit tour de bateau. Parce que je me suis réveillé à 13h du matin, mais juste parce que... Désolé, je suis un déchet. Ah ouais. Mais non, faut pas dire ça. On a passé tout notre temps à combattre ces choses. Je suis rentré un peu tard du boulot. Je vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire. Il était 6h quand je suis rentré dans le lit. On ne le connaît pas. On a vu ses fresques. C'est un chef. Il s'est opposé seul à Odin. S'il l'a déjà fait, pourquoi il ne recommencerait pas? Des images de temps lointain ne disent pas toute l'histoire. Allez, on va faire le splash. Bon, c'est nul. Une porte. Dès que nous serons descendus, nous irons voir si elle peut nous mener à Tyr. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, à mon avis, j'ai pas l'équipement. Tu joues à God of War ou pas, Nani? J'ai comme la sensation que tu m'en veux. Depuis qu'on est arrivé à Svartalfheim, tu critiques chacun de mes choix. Si tu ne me crois pas capable de nous diriger, dis-le. Ce n'est pas ta compétence qui est mise en doute. D'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pense à tes intentions. Qu'est-ce qu'on a? Le trognon. Oh, le trognon. Le trognon est immense. Sa construction a dû prendre une éternité. On est dans le trognon, mon gars. Oh, coucou. Ah bah, coucou, toi. Encore une porte.
On devra s'en occuper aussi. Ouais. Les instructions de Durlin ne disent pas laquelle. Non, rien qui puisse nous aider. Ce que tu as dit tout à l'heure, sur mes intentions. Je veux aider le dieu de la guerre à arrêter Odin. Et pour ça, il faut d'abord le libérer de la prison où il est revenu. Accrochez-vous, mes amis. Sindri ? Ah. Oh. Faites attention en sortant, un pied après l'autre. Un pied après l'autre. Vous rouillez absolument partout. Penses-tu que Tyr soit ici ? Comme si j'allais m'aventurer dans ce labyrinthe d'égouts malodorants. Non, vous vous débrouillerez très bien tout seul. L'eau me paraît pourtant assez limpide par ici. Justement, pareil. T'as gagné combien ici ? Non, je sais pas. Je sais pas te dire. Je ne sais pas te dire. En tout, je suis à 6000, je crois. 5890, ouais. Rivière sauvage, ouais, c'est une petite rivière sauvage. Je l'ai pas acheté celui-ci, mais ça viendra. Ça va, t'as pas trop peur de te spoil en regardant le stream ? On dirait le Menhir Express au parc Astérix dans le truc là. Le Menhir Express ? Ça fait longtemps que je suis pas allé à Astérix, tiens. Ah si, j'y suis allé cette année, je crois. Pendant l'été. Pendant la canicule. Un jour, j'organiserai un séjour au parc Astérix avec je crois que je peux aiguiser les lames de tes chaînes. Avec la commu. Ça peut être sympa. Je savais qu'on avait oublié quelque chose. Tu as besoin de quoi ? Alors, qu'est-ce que j'ai besoin ? Objets spéciaux, pierres de résurrection. Oh ! Vous pouvez maintenant acheter des pierres de résurrection dans l'onglet Objets spéciaux de l'atelier des frères Uldur. C'est un détail, mais le contenu, comme le précédent God of War d'ailleurs, je le trouve trop moderne par rapport au jeu. Par rapport à la mythologie, tu veux dire ? Et à l'histoire de Kratos, peut-être ? Grâce à ces pierres à usage unique, Kratos peut échapper à la mort quand il est accompagné. Ok. Pierre de résurrection simple, qu'est-ce que je peux faire ? Pierre de résurrection simple. Ah, ça coûte de l'argent, mais là ça coûte zéro, je crois que c'est juste pour le tuto. Une pierre magique permettant de ressusciter sur une pierre. Ah, ok. Voilà, j'ai une pierre de rés. 1005 la prochaine. Ah ouais. Ça c'est le genre de truc que je pourrais acheter si je le ferais en difficile. Rapporter des artefacts à l'atelier pour les échanger contre de l'argent. Les artefacts vendus continuent d'être comptabilisés dans l'avancement dans votre collection. Ah, ça se revend en plus, les poèmes et les petites bombes là que je récupère. La bombasse. Ah, il y a eu un souci avec Matarde. Ouais, il est con le bot Nani, t'inquiète. Je m'attarde beaucoup sur des détails de merde, je parle de l'apparence du menu. D'accord. Ça fait jeu mobile avec des menus de partout. Ouais, je suis assez d'accord avec toi là. Je suis assez d'accord avec toi. Le menu est pas très très bien fait. Que puis-je faire pour toi ? Après, il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut. Je peux pas améliorer mes petites lames là ? Oh si, je peux les améliorer. Augmente le pouvoir unique à une petite flamme du chaos. Allez, c'est parti. Il était temps. Le feu est en fait un désinfectant. Elles sont donc très hygiéniques. Très hygiéniques. Stats et dégâts accrus. Cool. Cool, cool, cool. Fabricable, améliorable. Maintenir pour améliorer. Ça me permet d'avoir plus de force. Mais il faudrait d'abord que je les mette dessus, non ? Ah oui, ça me donne pas mal de stats en vrai. Si je les améliore. Là, c'est plus de la chance d'obtenir un accès de rage à chaque élimination avec les lames. Ah franchement, la rage, je la trouve pas terrible. Hein.
La rage, je la trouve pas terrible. J'ai un peu de mal avec la rage. Je dois bien avouer que... Augmente les dégâts infligés aux ennemis par l'état brûlure. Allez, on va prendre ça. Des pommeaux forgés dans les flammes rageuses. Bon, je pense que clairement, en mode histoire, il y aura vraiment pas de problème de rouler sur le jeu. Je vais rouler sur le jeu. Bouclier. En passant, si vous allez autour de Forage, dans la baie, vous pouvez me ramener des scories ? Je pourrais en avoir besoin pour un projet. Ouais, j'en ai déjà des scories là, non ? J'en ai récupéré une paire. Tu te souviens combien t'as récupéré dans cette grotte, Pilo ? En thune ? Regardez, il y a une porte de l'autre côté. Tirez peut-être derrière. Une petite instruction surtout. Celui qui a écrit ça avait le souci du détail. Nouvelle rune déchiffrée. Quelque chose retient l'eau. Puis le fait d'avoir des caractéristiques au perso, ça fait plus action RPG que beat'em all à l'ancienne. C'est mon avis perso. Le forgeron à la voix de Tyrion Lannister dans God of War. Ah, j'ai pas regardé les Game of Thrones. Tu veux le réécouter ? J'ai pas regardé Game of Thrones encore. Tu as collecté les poèmes de Kvasir ? Donnez-moi, je raffole ! Tout ce que tu voudras. Ça te dit quelque chose? Ils se sont mis au goût du jour, comme tu as dit. À ton service. Rien ne te ferait plaisir? Pas vu un seul épisode de ma vie de God of War non plus, de Game of Thrones. Ouais, c'est pas une série qui m'a... Il m'a hypé de ouf. Hein. C'est sa voix? Bah, sa voix est connue dans le monde du doublage. C'est pas la première fois qu'on l'entend dans les jeux vidéo. Alors, tac, tac, tac. Ah, ça. Vas-y, gamin. Hop. Semble avoir repris son cours, mon frère. Et maintenant ? L'eau va monter ? Non ? L'eau ne va pas monter. Ah, il faudrait peut-être que je la gèle ici pour actionner la roue. Oh yeah! Ça nice. A marché! Voyons ce que cache cette porte. Nice, nice, nice. Constantin Papas de son petit nom. Merci pour l'info, Rapso. Par contre, c'est la première fois que je vois son nom. Je vois son nom. Dans Destiny aussi. Même si j'ai joué 10 minutes, je me souviens qu'il y avait aussi sa voix. Ouais. Je crois qu'elle y est aussi dans Borderlands. Mais c'est pas la première fois qu'on l'entend cette voix. C'est pas la première fois qu'on l'entend. Bon, je pense qu'il n'y a rien d'autre à récupérer. Tyr ? Petit, je doute fort que nous trouvions Tyr à l'intérieur. Mais il est forcément quelque part ici. La mine est immense. Atreus, tu parles comme si tu connaissais le plan d'Odin. Que comptes-tu l'empêcher de faire ? Je ne connais pas son plan. C'est pour ça que... Mes frères, entre Fimbulvetr qui a déjà commencé et l'arrivée imminente du Ragnarok, Odin sera prêt à tout. Quoi qu'il ait prévu de faire, il sera certainement le seul à en bénéficier. Exactement. Tiens-toi !
Palatinus Avlok, Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima, ça m'interpelle moins. On l'avait mis en VO, je crois. Constantine. Peut-être. Constantin, Constantine. On va pas tous les donner, mais c'est un acteur très actif dans le doublage, effectivement. Ouais. Je commence à avoir des frissons partout, c'est... Ça veut dire que la température est pas très très chaude. Je pense que je vais faire un aller-retour pour fermer toutes les fenêtres. Et remettre le chauffage. Il y a encore une porte, de l'autre côté. C'est peut-être la bonne. Oh, ça j'aime bien ça. Comment ça couper tout en deux là. Dans le chenor aussi, ils ouvrent toutes les fenêtres. Ah, qui fait moins 40 dehors. Il faut moins 8000. Moins 8000. Mais non, il fait pas moins 8000. Oh. Il fait 19,7 dans la chambre là. Malgré que la fenêtre soit ouverte. Ça va. C'est juste que ça fait un courant d'air. Cela nous éclaire-t-il ? Nouvelle stèle de connaissance. Qu'est-ce que c'est ? Ce royaume a été bâti par les mains des nains. Renforcé par les muscles des nains. Amélioré par le cerveau des nains. Ouais, ok. Bah, beaucoup de nains, quoi. Ça marche. C'est bon. M'a saoulé. Vive les nains. Content qu'on ait exploré. T'es en t-shirt et en slip kangourou. Ah, t'es pas loin. T'es pas là, je suis en t-shirt et en calbut short. Oh. Ah non, parce que si je suis à poil sur la chaise, ça colle et puis c'est désagréable. En t-shirt et c'est tout. J'ai qu'un t-shirt. Bon, c'est pas grave, je vais couper la cam quand je vais me lever, par exemple. Tu vois, ça fait ventouse. Bah ouais, ça fait ventouse. Tu restes collé au truc. Combien de portes y a-t-il ici ? Il y a beaucoup de portes. Pas de saper le moral, mais il s'agit d'une mine. Ymir, tu ne m'aides pas en effet. Un petit peu de thune par-ci par-là. Alors. Tu as vu ça là-bas? Qu'est-ce qu'on a ici? Un petit truc avec une bombe. Ah, ça a une bombe! Comment je peux l'atteindre ça? Comment est-ce que je peux l'atteindre? Je crois qu'il faudra être de l'autre côté. En t-shirt et en chaussettes. Ah, je déteste les chaussettes. Je les retire dès que je peux. Même sur le carrelage, même dehors, même... C'est minimum tong. Il y a une porte brisée en haut à gauche derrière cette grue. Tira peut-être tenter de fuir. Allons voir. Ah, je peux peut-être l'avoir de ce côté-là.
c'est trop loin. Est-ce que je peux l'avoir avec la hache? Voilà. Pas forcément besoin des lames. J'adore les chaussettes pour glisser sur le carrelage. Ah toi tu fais Holiday on Ice, c'est ça? Faire des pas de danse. Bah, la dernière fois que j'ai essayé ça, je me suis cassé la gueule. J'ai tapé mon pied dans l'armoire et après je me suis cassé la gueule. Et j'ai cassé une chaise. Tu vois quelque chose? Du coup je danse plus. Ça coûte trop cher. Alors, bah là je pense que ça va être pareil pour aller de l'autre côté. Il est où le clip? Et le pire c'est que j'étais qu'avec les garçons. Je sais même pas s'ils s'en souviennent encore, tu vois. Faudrait que je leur dise tout à l'heure, s'ils s'en souviennent encore. Ah, je me suis pété la gueule, mais phénoménal. Bah. Tu peux nous la refaire? Ah si. C'était digne d'une pièce de théâtre. Un truc de ouf. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Mais on a rien là. Ah oui, maintenant je peux aller de l'autre côté aussi. Faut pas que je l'oublie ça. Ouais. Trop loin. Il va se péter un truc, ouais, c'est clair. C'est clair. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Je vois pas trop à quoi ça sert avant de l'activer. Ah, bah, j'aurais pu faire pareil avec la hache, mais bon. Je devrais envoyer l'élévateur jusqu'en haut. Il est presque. J'ai pas vu l'élévateur par contre. Oh merde, on peut pas le. Ouais, je pense que c'est le même système de l'autre côté. Normal que tu détestes les chaussettes, ouais. J'ai appris à mes dépens. Je vais juste retourner là où j'ai mis la bombe, où j'ai fait exploser la bombe. Hey, où tu vas? Nous reviendrons. Et il doit y avoir un petit truc sympa là-dedans. Là. Ah voilà. Alors c'était un mâle ou une femelle ça? Occupons-nous deux et allons voir. Flanc gauche. Ah, je fais que dalle en dégâts. Allez, viens là toi. Descends si t'es une femme ou un homme. Bon, bah qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça moi? Ah mais tu les as achetés dans l'eau tes trucs. Derrière toi. Poison à gauche. Clac, clac. Ça le reprendra. Allez, viens là, toi. Et je claque. Oh, par contre, c'était la même exec que tout à l'heure. Poison. Ah, j'aurais aimé une autre exec peut-être. J'aurais aimé une autre exec. Peut-être un transgenre ou un reptilien. Mon mort n'est perché là-haut. Fais-le tomber.
ouvrons cette porte, d'accord? Trop bien les combats, de près comme ça. Ah, c'était la même exact que tout à l'heure aussi, j'aurais aimé un peu de chargement, ça aurait été cool. Carotide, foie. Il y a d'autres points vitaux. On va tout faire pâcher. Comme ça, au moins, on risque pas de taper dedans par, par accident. Ouais, je pense que je vais aller fermer les fenêtres là. Je pense que je vais aller fermer les fenêtres. Peut-être pas celle-là. Pas déconner non plus. Oh, faut pas déconner non plus. Re. Ah. J'espère qu'il va faire un peu plus chaud là, mesdames. Alors. Ça, je sais pas si ça sert à quelque chose de goûter. La thune. De la thune. Oh, je t'avais pas vu toi. Qu'est-ce qu'on a récupéré? La thune encore. La thune. Putain, si c'était aussi facile de récupérer de la thune dans la vie réelle. Allez. La petite porte. Effectivement, t'es habillé comme en été, faut dire. Ouais. Ça me dérange pas. Continuer par là. Cuir brut. Ça fait du bien d'avoir froid des fois. Tu travailles dans une aciérie, c'est bien d'avoir froid de temps en temps. Crois-moi. Une statuette
faite pour les As. En effet, et puis dérobée par Altiof le voleur. Altiof le voleur. Ok. Normal que tu aies des frissons en plus. Je déteste avoir froid, c'est vrai. Ah, moi, c'était plutôt l'inverse. J'aimais pas trop avoir chaud. Et là, j'ai pas dû... Il est pas censé avoir un bateau ici, là? Wow! Il manque pas un petit truc? Allô? Un petit problème. Salut petit poulet, ça va? Salut Death, comment ça va? Il m'arrive d'avoir froid en été. C'est vrai? Niveau 12 pour Nani. GG. Level up. J'ai sûrement un souci. Trop chaud, pas agréable aussi. Ouais. Le problème, c'est que j'ai pas de truc pour ça, moi. J'ai pas l'équipement encore, donc il faut que je rebrouche chemin, peut-être. L'opération. Ninja, ninja, t'as vu celui-là, il était équipé celui-là, prêt à dégainer. Sinon, j'ai une autre porte là. Non? Toc toc? Je sais pas où il faut aller. Il fait un petit 24 degrés. Il faut un petit 24 degrés. C'est ta commande préférée. Comment ça va, Des? Bah là, avec le... Avec l'ordi plus les deux écrans, la PS5, dans 2 minutes. Dans 2 minutes, il fait 23 degrés dans la pièce. On est à 19,4. On est à 19,4 et il est 14h18. Ah, ils ont parlé d'un élévateur aussi tout à l'heure. Peut-être falloir que je trouve un truc. Même 25. 25, t'es bien? Ah bah écoute... S'il n'y a pas de bateau, je peux rien faire, moi. S'il n'y a pas de bateau, je peux rien faire. C'est pas tout ça, mais j'ai un loup qui attend de mourir, moi. Je suis pas loin besoin. T'as un loup qui attend de mourir. Tu te lances sur God of War? Ah non, ouais, ok, j'ai compris. Oh, Kamidono. Oh, Kamidono. Ah oui, c'est Kiro, bien sûr. Lui, il a la même voix que Sigma dans Overwatch. J'ai pas joué à Overwatch non plus. J'ai pas joué à Overwatch non plus. Bon bah là je suis vraiment bloqué. Même pas un petit indice, rien. Alors ça je sais pas ce que ça va être. Peut-être une nouvelle arme ou une autre flèche d'Atreus. Mais pour le moment... Amuse-toi bien Rapso. A tout à l'heure. Yeah.
Ah bah non, je pense que c'était par là qu'on était passé tout à l'heure. Pour arriver en bas. Eh oui. Ou alors on est arrivé par là, un peu plus haut. Oh, je sais plus. Ah bien sûr qu'on peut s'amuser. Ouais ben on va faire pareil hein. Si ça marche. Ouais. C'est remarquable. Le débordement de l'eau actionne la grue. Habile. Au moins on va avancer un peu quoi. Nous serons là-haut en un rien de temps. Ça, ça me semble être un ascenseur. Il est actionné par ça. Si on ferme ça, on fait descendre l'ascenseur. Oh. De toute voilà. Beauté. Un pont sur cet élévateur. Tyr n'est sans doute pas loin. Bien joué. L'eau va continuer de couler sur les côtés. D'accord. Il faut être mazo, non? De ce que j'ai pu entendre. Oh, il est sympa, Sekiro, à faire. Merde. Non. Bien. Nouvel exercice. Dans quel état d'esprit doit se trouver Tyr enfermé dans cette mine? Si Odin m'avait emprisonné et que j'étais enfin libre, il serait évidemment ma priorité. Mais je voudrais surtout me battre. Contre n'importe quoi. Juste pour voir si j'en serais encore capable. Ouais. Donc faut s'attendre à du fight, quoi. Je suis déjà mort. Ah bah super. Ah ben super. Ça va, t'as pas perdu la main. Je joue toujours à Nioh en ce moment. Oh, j'ai un petit coffre là-bas. Ah ah. Est-ce que c'est une petite énigme pour augmenter? Je suis pas sûr qu'on puisse augmenter la hauteur de l'ascenseur. Hein. Je dirais que les engrenages ils peuvent aller. Ah, j'ai peut-être trouvé. Oh non! On peut plus le faire? Ah, scheisse. Voilà. Et là, ça devrait fonctionner. Voilà. Il est pas con, hein. Il est pas con. Dépôt de scories et de la thune. Je vais aller là-bas, ouais, je suis allé. Si tu aimes l'univers Japon féodal, fonce. Je l'ai terminé, on va dire, mais il me reste quelques trucs à faire, je crois, je sais plus. NG+. Par contre, j'ai voulu retenter For Honor en ligne. J'ai jamais joué à For Honor. C'est un jeu Ubisoft ça, non? C'est technique les combats, je me souvenais plus. Ah ouais? Jamais testé For Honor.
J'ai regardé des streams mais j'ai pas. Qu'est-ce qui s'est passé ici? J'ai pas mis la main à la patte. Je suis un petit peu réticent là, sur les jeux Ubisoft. C'est pareil, Rainbow Six Extraction, je l'ai pas fait non plus. The Division 2, je l'ai pas fait non plus. Et Assassin's Creed Mirage, j'en parle même pas. C'est grave frustrant de pas savoir gérer les parades. Ouais, ça va se. Ça va s'apprendre, hein. Travail accompli, KO ascendant. Ah, voilà, j'ai déverrouillé les trucs. Hein. Tiens, il va pas voler celle-là. C'est qu'il n'était pas tir. Continuons à chercher. Continuons à chercher. Day One, Mirage, on te dit. Non, ne s'en est pas sorti. Je vais finir par parier. Je vais finir par parier. T'as pas trois catégories dans ce jeu là, les samouraïs, les chevaliers et un autre truc. Un For Honor. Ah. Je peux pas monter sur ça hein? Non. Non. T'as plusieurs types de perso? Ouais, il me semble bien. Niveau 78 et 14. GG les level up. J'aime les gros bourrins bien lents. Genre avec les grosses haches ou les gros marteaux. Moi aussi j'aime bien les gros marteaux. Ah, c'est un cul de sac je crois. Je crois que c'est un beau cul de sac. Le problème c'est comment on remonte maintenant. Qui tape comme Obélix avec une grosse massue. Moi aussi j'aime bien les gros marteaux. Ouais. Oh. Qu'est-ce que tu tiens, toi? C'est une relique? Relique acquise. Confère un pouvoir spécial qui s'active. Équiper la relique dans les menus des armes. Mmh. Sélectionner. Pour appuyer. Ok. Relique. Appuyer pour afficher les différentes reliques. Talisman du talisman de vigueur. Confère un bonus de dégâts au corps à corps pendant une courte durée. Améliore pour renforcer sa durée. Ok. Et comment on fait pour l'activer? Bon, on va l'améliorer tout de suite. 2500 d'XP. Un bonus de dégâts au corps à corps. Pour activer L1 plus croix.
mais ça m'a l'air pas mal du tout ça. L1 plus croix. Madame, il aime bien les gros gourdins. Ouais. Ouais, j'aime bien les gros marteaux, moi. Je sais pas si ça vaut. On va peut-être la tester sans l'améliorer. Don de force. D'accord. C'est assez sympa. Le système de buff là sur le côté. Viens là, toi. Voilà. Toute beauté. C'est de toute beauté. Un morne est perché là-haut. Fais-le tomber. Chope-le. Schlac, schlac. Désolé, j'étais parti faire le clip. Oh non, t'as pas fait un clip quand même. Ça m'a fait quitter le stream. Tu regarderas, madame, la façon dont tu utilises ça. Dans le plus grand des calmes. Un petit clip. Moi aussi, j'aime bien les grands marteaux. Je sens un courant d'air. On pourra peut-être sortir par ici. Ouais, du coup, pour l'améliorer. T'as une petite... Tu l'as mis sur le Discord ou pas, Nani? T'as un petit truc aussi sur le Discord, je sais plus si tu y es dessus. Relique. Il tenait tant qu'il s'y accrochait jusqu'à son dernier souffle. Amélioré, 2005 d'XP quand même, ça pique. Hein. Talisman de vigueur. Prochain c'est 4000. Bon, comme c'est la seule relique qu'on a. Ok. Alors où est-ce qu'on va là? Encore une chambre vide. Petit frère, il est peut-être temps de... Non, pas un mot de plus. On va le trouver. Petit frère. Regardez, de l'autre petit côté frère de la porte, veut grandir porte. Trop vite. Allons-y. Petit frère veut grandir trop vite. Tiens. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Je crois qu'on est passé de l'autre côté, ok. Ok. Je crois que nous nous trouvons au-dessus du bateau où nous avons laissé Sindri. Ah. Cette mine est une gigantesque spirale. Là, c'est un petit raccourci. Et du coup, il faut encore monter. Bonjour toi. De l'argent. Mmh.
Est-ce que je vais pas me faire choper par la flotte? Là, ça m'a l'air d'être la porte pour la mission de suite. Ça se pète, ça? Non. Je crois que c'est bon. Pour remonter la corde. Clac, 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 clac. Voilà. Quand tu veux. Elle est bien tendue là. Elle est bien tendue comme une crampe. Du coup, est-ce que j'arrive au même endroit? Je suis pas sûr en vrai. Je ne suis pas sûr. On va aller voir quand même. On va aller voir quand même, ça ne coûte rien. Qu'est-ce que nous avons là? Du feu. Je crois que j'entends quelque chose là-dedans. Là-dedans, l'eau. On peut pas l'ouvrir. Je dois y aller, bon après-midi à vous, au plaisir et bon jeu, madame. Merci, Nani. Ça fait plaisir de te revoir. Tu repasses quand tu veux. Je sais que t'es toujours la bienvenue ici. Des bisous. Bon après-midi. J'ai vu que t'avais mis le clip, merci beaucoup. Merci Nani. Pam 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 pam. Qu'est-ce que c'est ça? Un petit poème? Ah non, c'est une idole. Une statuette. Une statuette. Oui, mais pas n'importe laquelle. Ce visage de pierre surplombait l'entrée du Moulin Monde. Le Moulin Monde. L'œuvre de Dorine le Généreux. Je crois qu'on a tous les artefacts rebelles. Ah. Apportons-les à Brock quand tu seras prêt. On a tous les artefacts rebelles. Ça, c'est cool. Si jamais tu n'y es plus... Si, si, j'ai vu qu'elle avait mis le clip Rapso. Dans la session clip Twitch. Je ne me rappelais plus si elle y était ou pas. Ah. Débarrassons-nous de tous ces morts. Le mal vole. Il est rapide. Tu brûles, drapeau. Ça passera. Ça passera. Moi, je vais me faire les ZAD d'abord. Je récupère un peu de vie avec la rage. Il est rapide. On prendra plus
parler de ces regards. Né dans les flammes. Service. Ah, nouvelle quête secondaire. N'avais jamais rencontré pareil drogue. Se battait comme sous l'impulsion d'une haine insatiable. Le monstre est sorti d'une blessure de la terre qui s'est renfermée, qui s'est refermée dès que nous l'avons vaincu. Si nous découvrons. Ah, d'accord. Il faudra refermer ça. Manche de l'impératrice maudite, accessoire de l'âme. Cool. On va regarder ça après. Poussière des royaumes. Ah, une nouvelle ressource. Charbon souverain. Étincelle du chaos. Amélioration d'armes. Vestige fugace d'une flamme de chaos. Obtenez-en 6 pour lui rendre sa forme initiale. Ah, il y aura ça au à farmer aussi. Je m'étais pas préparé à ça. Une nouvelle en passe. Où peut-il bien être ? Atreus. Pommeau de givre fortifié. Partie abandonnée. Il est sans direct doute. Ici, je le sais. Les instructions de Durlin s'arrêtent à l'entrée de la mine. Nous devons chercher jusqu'à ce qu'on le trouve. T'as dit qu'on ferait ce que je dis. Et je dis qu'on continue. Alors arrête un peu. Surveille tes paroles. Ouais. Je te suivrai. Mais je te dis ce que je vois. Tu peux ne pas être d'accord, mais je t'interdis de me parler sur ce ton. Non mais... Est-ce bien clair ? Oui, père. Voilà, le respect. Putain de merde. Petit frère veut grandir trop vite. Hein. Il va se prendre un pied bouche, tu vas voir. Se moucher avec son trou de balle pendant une semaine. Alors, sans déconner. Hein. Ok, donc là on peut repartir. Ah non, c'était pas en communication ça. Peut-être de l'autre côté. La dernière porte. Il est forcément derrière. Nous verrons bien. Il faut déjà qu'on parvienne à l'atteindre. Ah. Il cherche un autre moyen. Allez, grimpe. Je crois que je vois une manivelle là-bas. Une manivelle ? On a déjà utilisé. J'ai un autre exercice mental pour toi. Quelqu'un comme Tyr, qui passerait sa vie à combattre, aurait-il le moindre désir de faire ses preuves ? L'épreuve étant la destruction semée dans son sillage. Mais si la destruction semée, ce n'est que des mauvaises personnes ? Où est le problème ? Tu es fort, et tu fais ce qui est juste. Ce n'est pas à la guerre que l'on mesure la force d'un homme. J'espère que tu le comprendras un jour. Bah vas-y, appuie-tu, hein. Qu'est-ce que ça fait ? Bien ! On dirait que cet engin fait tomber du minerai dans l'auge. Ah. Un système de pont. Ok. Que c'est censé faire. Oh,
qu'est-ce que c'est censé faire? C'est forcément ça. Ok. Oh, j'ai lancé un peu loin là. Ça m'avait manqué les petites énigmes comme ça. Là, je peux aller là-bas de l'autre côté. Et là, ça change rien, je peux pas descendre. Après, j'ai pas vu de coffre ni de truc qui brille là-dessous là. Peut-être qu'on pourra y descendre après, j'en sais rien. Je ne sais pas. On a réussi. Vous rejoindre par la porte. Est-ce que tu crois que j'aurais pu y accéder sans... Sans pour autant... Oh non, c'est trop... Beaucoup trop... Ah, je sais pas pourquoi il y a ces petits symboles là. En général, il y a des symboles comme ça quand tu peux sauter d'une plateforme. On voit pas pourquoi elles y sont là-bas. Faudrait que j'arrive à faire descendre la grue. Je ne sais pas. Ah, un petit corbac. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Hein. 5 sur 48. J'en suis loin encore. Ouais. C'est pas un petit mystère là. Un petit mystère. Vous avez entendu comme moi. Nous ne sommes pas seuls. Ouvrez l'œil et les oreilles. Dépôt de scories encore. Ça venait de là-bas. Au passage mène vers la On va peut-être le trouver, le Durlin. On va peut-être le trouver. Mes mots provoquent-ils ta colère? Ça va, j'ai compris. Mes frères, un instant. Est-ce de la lumière devant nous? Hé, hey, ça doit être ça. Cette porte est bloquée. Il y a forcément quelque chose derrière. Verrouillé de la sorte,
Ce n'est pas un simple placard à balai. Je vois ce qu'on doit faire. Atreus, des flèches. C'est quand tu veux. C'est quand tu veux. Laisse-moi observer la zone. Parce que je sens qu'il va y avoir un truc pas très catholique qui va sortir. Je sais pas, j'ai une drôle d'impression là. Un truc pas très très catholique. C'est qui eux? Attaque de Bifrost. Ils peuvent appliquer du Bifrost à la jauge de santé. Le Bifrost guérit progressivement, mais les coups suivants peuvent le faire exploser pour infliger des dégâts supplémentaires. Ah ouais. On va pas se laisser toucher. Hein. Ok. On voulait pas de nous ici. Il est forcément là. Dans ce cas, reprenons. Schlack. Toc toc toc. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Tire! Quel nouveau tour? Est-ce là, Odin? À quel jeu joues-tu avec moi? On n'est pas avec Odin, on est de ton côté. C'est lui, le dieu de la guerre. C'est l'âme. Je te connais. Le tueur de dieu. Ainsi, c'est pour moi que tu es venu. Je suis venu te libérer. Arrête! Recule! Mon frère, laisse-moi essayer. Tire! Tire! Écoute! Tu me connais, n'est-ce pas? Tu as tué Mimir! Non! Non! Non, non, non! Non, on l'a ressuscité! Non! Ne vous approchez pas! Sale monstre! Non, reviens! On a besoin de lui! Ah. Come on!
Rembronze terminé. Ah oui, c'est vrai, je devais faire ça aussi. Donc Tyr, je pense qu'il a un peu perdu la boule là. Il a un peu perdu la boule. Cassé. Atreus! Par ici! Intercepte-le! Je sens que je vais le faire balouter, n'est-ce pas? Argent terminé. C'était le dernier. Reprends ton fils. Alors malgré que je ne sois pas avec, il prend quand même l'XP. Ça c'est cool. Ça c'est cool. C'est ça. Ah, ça doit être le même pouvoir que le truc de tout à l'heure. Tyr, tout va bien. On ne te fera aucun mal. Essaie de te calmer. Je vais t'aider. Laisse-moi tranquille. Tyr, écoute, je te jure qu'on n'est pas là pour te tuer. On veut juste te faire sortir. Ne t'approche pas de moi. Te mettre en lieu sûr. Arrête, à la prise d'Odin. Arrête, je t'en supplie. Aie pitié. Je te présente mon père. Lui et moi, on aide les gens. Je n'ai pas ma place dehors, pitié. C'est pire quand il se met en colère. N'es-tu pas un soldat? N'es-tu pas un meneur d'hommes? Ressaisis-toi. Mon fils nous a menés jusqu'ici pour toi. Regarde-le. Toi? Pourquoi? Tu ne me connais pas. Je connais tes valeurs. Tu as aidé les géants. Nous voulons t'aider à notre tour. Nous? Et il est temps de partir. Nous accompagnes-tu? Tiens, ta statue sur le lac, tu tenais une lance. J'ai pensé qu'il t'en fallait... C'est une canne ? Non. C'est gentil, mais sans façon. Non, merci. Mais... Tant pis. Je
J'ai fui parce que je ne suis pas sûr de ce qui est vrai ou non. Et il arrive que... qu'il y ait... Il n'y a pas de honte, mon frère. Nous vivons dans une époque bien trouble. Vous l'entendez, vous aussi ? Mettons-nous en chemin. Ça, du vent. Il vient de ce côté. Il y a peut-être une issue pas loin. Par quel nom suis-je censé vous appeler ? Je suis Atreus. Tu connais déjà Mimir ? Et lui, c'est mon Donc père. On vient de récupérer Tyr. Comment le fils d'un Spartiate peut-il parler au nom des Jotnar ? Ma mère était la dernière géante de Midgard. Lofey ? Lofey. Je me rappelle ce nom. Elle aussi voulait aider les gens. Elle a rejoint la lumière d'Alfheim. Toutes mes condoléances. Encore un truc là. J'espère que la capture... Attends. Où est-ce qu'ils sont mes trucs ? Nouvelle capture d'écran ? Ah ouais, elle passe bien. Nice. Un petit peu de thune. Ouais, j'espère qu'on va bientôt avoir ce pouvoir là. Comment ça se fait que j'ai toujours pas accès ça? Ça va ? Ce pouce puissant se tient debout. On n'avait même pas débloqué le raccourci de terre. Attends, laisse-moi faire. C'est la moindre des choses. Wow. Ça y est, il est en kiff là. En kiff total, Atreus. N'empêche, il avait raison le tuyau. Il avait raison. Tyr était Pourquoi vivant. Risquer la colère d'Odin pour moi. Eh bien, le Ragnarok approche. J'espère que tu le savais. On s'est dit que tu voudrais nous aider. Vous me libérez pour déclencher une guerre ? Non ! Tyr, content de te revoir après tout ce temps. Mimir, que t'est-il arrivé ? La même chose qu'à toi-même. Trahison, emprisonnement à perpétuité, torture ignoble entre les mains du père de tout. Tu ne méritais pas un tel traitement. C'est ce que tu penses. Je suis tenté de croire que j'avais un meilleur point de vue là-haut. On l'a trouvé au sommet d'une montagne prisonnier des racines d'un arbre. La seule façon de le libérer, c'était celle-là. Très désagréable, pour toutes les parties présentes. Ah ! Est-ce que ça va ? La lumière, cela... Cela faisait si longtemps. Il y a un affleurement plus loin. Tes yeux souffriront moins à l'ombre. Viens. Tu as dit que le Ragnarok approchait. Ce qui veut dire que Baldur... Baldur est mort. Odin l'a envoyé chercher une géante à Midgard, et il a trouvé Kratos.
Mais passons. J'ai promis de conduire ces deux-là jusqu'au plus haut sommet des royaumes s'ils me coupaient la tête et persuadaient Freya de me ranimer. Ymir, parle de Baldur. Oui, j'allais y venir. Ce n'était pas qu'un vulgaire massacre. On est de retour dans les zones humides. Ce n'était pas qu'un vulgaire massacre, non? Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc là, on est sorti des mines. Ah oui, d'accord. Et on est ici. Ah, le problème c'est que... Ah, je me rappelle plus s'il y avait un petit portail quand même quoi. On aurait peut-être pu y retourner. Attention non, tu essaies de combattre toi ou pas? Je suis là. Apparemment non. Ah oui d'accord, ok. Je craque. Impressionnant. Derrière toi, du poison. Oh ouais, ça fait des dégâts ça. Travail accompli. Je sais plus ce qu'il me reste à faire maintenant. Oh, je l'ai coupé en deux. Partons avant que d'autres créatures attaquent. Tu aurais dû prendre la lance et te défendre. Non. J'ai renoncé à la lance. Mais tu es le dieu de la guerre. Je ne le suis plus depuis longtemps. Et si Odin provoque le Ragnarok, tu ne te battras pas? Pas même si je le souhaite. Oh. Il manque un petit peu. Ah bah le voilà le chariot. Il manque un petit peu de motivation, hein, tiens. On va essayer de remédier à ça. Avant que nous n'allions plus loin, dites-moi. Qu'attendez-vous de moi? Vous parlez du Ragnarok. Est-ce un dieu de la guerre que vous cherchiez? Est-ce le tir qu'il vous faut? Atreus. À toi de répondre. Je regrette. Je vous remercie de m'avoir libéré, mais... Mais si vous voulez que je livre une guerre... Ou pire encore, que je la mène... Alors tuez-moi, sans délai. Je n'en ai plus la force. Je suis brisé. Personne ne te tuera, mon frère. Mieux vaut mourir que vivre le Ragnarok. Nous ne voulons pas la guerre. Nous cherchons des réponses. J'ignore comment vous aider. Aucune importance. Les géants croyaient en toi. Voilà le tir qu'on cherche. On a besoin de toi. Très bien. Tout
Tout ce que je demande, c'est une bonne nuit de sommeil. Et peut-être un bon repas. Je crois que vous avez aussi les gardes qui me nourrissaient. Mon frère, peut-être pourrais-tu à présent compléter l'histoire. Les fils de Thor nous ont attaqués. Nous les avons tués. Baldur a voulu tuer Freya. Je l'ai tué. Mais tu as oublié de dire qu'on a affronté et libéré les Valkyries, que les géants ont disparu, et qu'ils m'appelaient Loki, et qu'on a trouvé les fresques, Il n'y a plus de géants. Quand nous sommes arrivés à Jotunheim, ils étaient... tous morts. Morts? Vous pensez que... Nous l'ignorons. Nous ferions mieux de ne pas nous éterniser ici. Oh, qu'est-ce que c'est? Renfort venu d'Asgard. Les Eneriar ne manqueront pas d'enquêter sur ma disparition. Aïe aïe aïe. Voyage-t-il entre les royaumes à travers le ciel? Odin détient des ressources que nous ne saurions imaginer. Ils descendent vers Nissavellir. Est-ce que ça va aller pour les nains? Il est trop tard pour s'en inquiéter. On doit partir. Tout de suite. Aïe aïe. Bah ouais, c'était sûr ça. C'était sûr en fait. C'était sûr. Bon, on va casser quelques bouches en plus. C'est pas très grave. On va voir le côté positif. Oh, il y a un petit portail. Je vais juste regarder dans les compétences. Est-ce que j'ai débloqué quelques trucs? Ça c'est en or. Du coup, je peux appliquer une modification. Dégâts d'éléments sur ce petit truc. Ensuite nous avons contre les ennemis gelés. Enchaîner rapidement plusieurs attaques au corps à corps sans subir de dégâts pour renforcer les lames du chaos et infliger des dégâts de brûlure à chaque coup. Cool, ça je le veux. Lorsque la jauge d'immolation est pleine, appuyez sur L1 plus triangle pour activer toutes les attaques au corps à corps. Et ça c'est quoi? En or, chaos ascendant. Élément, protection. Donne-moi la charge d'immolation. Oh non, ils vont pas commencer à faire des travaux quand même. Protection. On va mettre immolation. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Travail de compétence. Lors d'une esquive, maintenez. Là, il y a un petit portail. De toute façon, on va devoir revenir ici. Il y a plein de trucs qu'on n'a pas vu encore. Il y a la baie du putain aussi à faire. Pilou, il nous en parlait tout à l'heure. La forge. Nissavellir. Les mines de Jarmiz Isva. Et trognon et plage et puis tire quoi. Il y aura un round 2 avec Thor incessamment sous peu. Enquête de tir.
Tyr, la bonté. Dans tes voyages, as-tu entendu les géants parler de Loki? Je regrette, mais ce nom ne me dit rien du tout. Les géants sont... étaient un peuple réservé. Je comprends. Avec un peu de repos... Finis la phrase avec un peu de repos. C'est une maison arbre. Seigneur Tyr, tu es bien vivant. Le suis-je? Pas sûr. D'accord. Il est fatigué. Je lui ai promis à manger et une chambre pour se reposer. Ah, évidemment. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Entre, je t'en prie. On arrive tout de suite. Et ben ça alors. Tu veux me parler? Bon ouais. Je crois qu'il veut me parler, ouais. Alors, on peut discuter de ce qu'on va faire ensuite? Beaucoup d'éléments sont à prendre en compte. Nous en parlerons demain matin. Oh, d'accord. Demain alors. S'entretenir en privé avec Mimi. Hein. Oh, ne bouge pas. Ah, il essaye de retirer son collier. C'est beaucoup mieux. Il a réussi, je crois. Tu vois? Bonne nuit, Tyr. Je vous laisse. Grosse journée demain. Bien, Tyr. Je crois que des promesses ont été faites. Voyons où nous pouvons t'installer, d'accord? Si tu veux bien me suivre. Hé hey, viens donc voir ce que j'ai à te proposer. Je suis sûr qu'on ne dérangera c'est toi personne ici. Tant que je trouve un endroit. Il me faudra un peu de temps pour construire un lit adapté à ta stature. Oh, ne t'inquiète pas pour moi. Trop d'espace serait déstabilisant. Aurais-tu un placard à balai? Un placard à balai? C'est là que je range mes balais. C'est tout ce dont j'ai besoin. Et pour être honnête, c'est tout ce que je pourrais supporter. Très bien. À manger dans ce cas? Oh, pas trop. Quelques gâteaux secs peut-être. Des gâteaux secs? Des biscuits de mer quelconques feront l'affaire. Je... Avec un peu de sel? Eh bien, je vais voir ce que je peux trouver. Peut-être que j'arriverai à dormir cette nuit. Dormir vraiment. Du sommeil d'un homme libre. Que l'œil d'Odin ne viendra pas troubler. Et tu veux pas faire un petit ragoût là? Tu sais quoi? Petit ragoût de mouton? Être dans le garde-manger. Je vais aller vérifier. Ok. Bon bah c'est parti pour faire dodo. Ah oui, faut qu'on parle avec Mimir. Qu'est-ce qui te tourmente, mon frère? Je réfléchissais. J'aimerais que tout redevienne comme avant. Eh bien... J'aimerais pouvoir grimper aux arbres. Pourtant, il ne faut plus y compter. Je regrette qu'Atreus soit si... impatient. Je crains pour sa sécurité. Je sais, mon frère. Mais le tenir en laisse ne le gardera pas du danger. Le petit semble résolu à commettre ses propres erreurs. Et je n'aime pas l'admettre, mais je crois que Tyr en est une. Je n'ai jamais vu un homme à ce point dévasté. Sa peine est récente. Tu lui en demandes trop. Oui, peut-être. Dommage que Freya veuille ta mort. Elle serait une alliée de choix. Ce n'est pas une option. Non, tu as sans doute raison. Tu as du mal à dormir. Ah ça va pas de me faire peur comme ça. J'ai quelque chose à faire à Midgard. Quoi? Sans moi? Je croyais que nous faisions équipe. Évidemment, mais... Je savais pas que t'aurais envie de venir. Je rends visite... à une amie.
Oh, je vois. Ou alors, tu pourrais rester tranquille, sachant qu'elle est déterminée à te tuer. Elle ferait jamais ça. Écoute, je trouve ça formidable que tu vois le meilleur en chacun de nous. C'est merveilleux. Et j'aimerais que tu continues sur cette voie en évitant de te jeter dans la gueule du loup. Oh. On a besoin d'elle. Ils vont pas aller chercher Freya quand même. En es-tu sûr? Alors remarque, contrôler Atreus comme ça? Que dirais-tu d'une alternative? Ça pourrait être sympa. Bien moins risqué, mais qui t'apporterait peut-être quelques réponses. Qu'est-ce que tu veux dire? Cela implique un ami que tu n'as pas revu depuis longtemps. Un très, très grand ami. Jormungandr? Tu l'as trouvé? Et si je te montrais? Puisque c'est sur notre route vers la ville. C'est le serpent, ça, non? Qui veut ta mort, cela nous laissera le temps de décider de ne pas y aller. Alors, tu sais où est Freya? Non, non! Enfin, si! Écoute, commençons par aller voir le serpent. Et ensuite, je ne t'emmènerai pas voir Freya. Ça te convient? Aïe, aïe, aïe. Bah, je pense qu'on va s'arrêter là, 2h30. De vieux amis, utilisez l'accès mystique. Nice, on va contrôler Atreus. Ça c'est cool. On peut pas. On peut pas. On le verra ça plus tard. Sauvegarder. Sauvegarde Manuel. Bim. Allez, hop. C'était l'épisode 6, je crois. On a sauvé Tyr. Et là, on va aller chercher Freya. Si je ne m'abuse. Si je ne m'abuse. Je vous fais des bisous. Je vous fais des bisous. À bientôt. Ciao, ciao. Au revoir, YouTube.